Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une rillette de maquereau fumée. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour notre recette. On a ici, bien sûr, 3 beaux filets de maquereau. On a une margarine végétale au soja, 25 centilitres de fumée de poisson, une pointe de couteau de piment d'Espelette ou de piment fumé, un citron, 5 câpres et 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. On va d'abord mettre dans une casserole nos 25 centilitres de fumée de poisson. On va, à l'intérieur de cette même casserole, venir zester, donc on n'hésite pas, hein, la pointe de couteau de piment. Moi, j'ai pris du piment fumé. On va faire cuire pendant une petite dizaine de minutes. Voilà, donc qu'on va faire maintenant, on va prendre nos maquereaux et on va tout simplement les couper en deux. Voilà, et maintenant que c'est bien chaud, regardez, hein, on a les zestes, on a le petit piment, on a quelque chose qui est bien concentré. On va venir pocher comme ça. Je laisse la peau volontairement parce que la peau, elle a un bon goût de fumée. Hein. Voilà, on a passé maintenant 10 minutes hein, avec un petit frémissement. On voit, hein, la peau, c'est aussi un petit peu rétractée comme ça. Donc, on va les mettre sur une assiette. Alors, pour le nettoyage, on va d'abord enlever, bien sûr, la peau. Voilà. Alors, maintenant qu'on a enlevé la peau, on va prendre une petite assiette. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher les arêtes, bien sûr. Alors les arêtes, vous savez où est-ce qu'elles sont? Elles sont en plein milieu. Alors ce que je fais, c'est que, regardez, je viens casser le poisson par le milieu, je retourne, et là, mes arêtes, elles apparaissent, elles sont ici. Donc regardez, avec ma fourchette, je viens tirer sur le côté pour détacher les arêtes. Donc on vérifie bien. Quand c'est fait, on remet ça sur le bord de l'assiette et on continue pour tout le reste. On va maintenant mettre ça, regardez, dans notre robot. Sur la première vitesse, gentiment. Le but, c'est d'effilocher. Ce que l'on veut, en fait, c'est déjà trouver cette texture de rillette. Alors, vous voyez, c'est très, très sec, bien sûr. Là, on va prendre le bouillon et on va déjà verser la moitié. On va prendre notre margarine végétale au soja. Et alors, on va mettre déjà 2 belles cuillères. Et maintenant, avec ma fourchette, je vais venir incorporer tout ça, hein. On va rajouter un petit peu de vinaigre. Moi, je prends du vinaigre de cidre parce que j'aime bien servir la rillette de maquereau avec un petit toast aux pommes. Voilà, donc une fois qu'on a bien mélangé, on peut le mettre dans notre petit bol. Moi, je mets quelques petites capres juste comme ça plutôt que de trop les mélanger dedans. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous en préparez en petit pot, n'hésitez pas à nous en envoyer. On la dégustera, on prendra une belle photo et on les publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit !